Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres à nouveau. Hein. Dans un peu plus de 48 heures, moins de 72 heures, nous serons le 9 février 2020, et vous le savez, au Cameroun, ce sera le double scrutin de cette date-là, législatif et municipal, concernant les élections de proximité. Et depuis donc le 23 janvier dernier, nous, tous les soirs ici, essayons de vous permettre de suivre la campagne telle qu'elle se déroule, vous faire découvrir les candidats au fur et à mesure que l'élection ou alors la période de campagne se passe, mais aussi les programmes, certaines fois les bilans, lorsqu'on a peut-être un membre de l'exécutif sortant. C'est encore le cas ce soir où le premier invité, ce sera, ou du moins c'est le maire de Douala troisième, maire sortant, Théophile Kobnan, est dans ce studio. Il est non moins candidat à cette élection, toujours pour ce même conseil municipal de Douala troisième. Juste après lui, on va prendre quelques reportages recueillis par nos reporters pour me redire à Douala et dans les autres villes du Cameroun, les vox pop réactions pour avoir le pouls des Camerounais, ce qu'ils pensent de cette élection. Mais derrière, on va aller du côté de Yaoundé pour discuter au téléphone avec René Bonono Bakota, pour le PUS, il est candidat aux législatives du BAM et Inoubou. Et puis enfin, on aura le plateau de débat qui va réunir Christian Diok Kongo, candidat aux législatives à Voiry-Est pour le PCRN, Raymond Biri, RDPC, candidat municipal, Douala 4e, et enfin Ghislain Gueussou pour le NNP, il fait partie de la communication de campagne. Bonsoir encore, bonsoir Pitas aussi. Good evening to you, Jupiter, and to you, televiewers. We thank you very, very much once again for being with us tonight on this special edition of the program dedicated to the municipal and legislative elections. Our main guest tonight is a man who is seeking re-election into the Douala 3 Council. He is the mayor, the outgoing mayor, Job Théophile Kobnan. With him, he will be telling us some of his achievements and what he hopes to do for the population if given another mandate. After that, we shall be having a series of reports as usual, and that will be followed by a panel discussion with the panelists made up of Christian Jock Congo. He is candidate for the PCRN going in for the legislative elections in Voiry East. Raymond Biri, candidate for the municipal elections of Douala 4 under the CPDM, and Ghislain Gueussou, who is a member of the communication team of the new popular movement of Bandakani. Right away, we kickstart with our main guest, Job Théophile Kobnan. Good evening, sir. Good evening. Monsieur le maire sortant, alors dites-nous votre bilan, qu'est-ce qu'on peut y mettre? On sait que ça va faire un mandat plus une prorogation depuis 2013 que vous êtes en place. Évidemment, vos adversaires décrivent votre gestion au sein de cette commune, au sein de cette mairie, mais vous vous dites que vous avez un bilan à défendre. Je vais commencer par cette anecdote, ce proverbe qui dit que si vous voyez un arbre sur lequel on lance le caillou, c'est que cet arbre produit des bons fruits. Je commence par là. Pour vous dire que je suis complètement d'accord que mes adversaires me lancent des cailloux, c'est parce qu'ils savent qu'en face, ils ont une mastodonte. Je suis à Douala 3 depuis 2013, et comme j'ai dit dans ma campagne, mes œuvres parlent. Chacun n'a qu'à faire un tour. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour voir que Douala 3 a complètement changé. Et pour ceux qui continuent à me challenger, je dis, et je le répète, mes adversaires ont fait 11 ans au pouvoir, qu'ils me disent une seule chose, une seule, qu'ils ont fait pour marquer leur passage à la tête de la ville. Ils pourraient vous dire qu'ils ont construit, par exemple, le siège de la mairie. Ben non, c'est pas vrai. C'est le SDF qui avait commencé, ils ont achevé. Et en plus, tout le monde reconnaît que l'administration est continue. On a servi le même État, n'est-ce pas? Ils me taguent ça tous les jours dans les réseaux sociaux. Ils disent que j'ai utilisé l'argent de l'État. Qui d'autre n'utilise pas de l'argent? Tous les maires ont eu les mêmes avantages que moi. Mais je suis mieux les exploiter pour le bien-être des populations. Et aujourd'hui, ils trouvent que servir la population est une mauvaise chose. Concrètement, quelles sont ces réalisations qu'on peut mettre à votre actif? Bon, je peux vous dire que pendant les six années passées à la tête de ces mairies, j'ai privilégié d'abord le social. Comme social, j'ai passé ma vie d'abord à unir les gens. C'est pour ça que nous avons mis beaucoup de priorité sur les ouvrages traversiers, dont nous avons fait pratiquement 43 ponts dans notre actif.
qui permet à la population de mieux se mouvoir sans chercher à les contourner. Et nous avons fait des actions, toujours dans le social, nous avons fait de grosses actions dans l'embellissement et le plateau technique dans, à l'hôpital de Lorbaba, à l'hôpital de Nilon, dans les CMA de l'arrondissement, où nous avons offert pas mal de petits... parce que, je peux vous dire, hein, il y avait des CMA où il n'y avait même pas de lits. CMA sont les centres médicaux, d'arrondissement. Ouais, qui n'avaient même pas de lits. Et donc, nous, on a essayé de... À notre moyen, malgré la modicité de nos moyens, on a essayé de voler à leur secours. Bon, quand vous l'avez regardé dans la scolarité, nous avons 44 écoles primaires, où nous avons tous, dans tous les 44 écoles primaires, livré des bancs. Dans, il y a eu 14 lycées. Dans tous les lycées, nous avons fait des bancs. Nous avons offert des bancs pour empêcher le phénomène des enfants que vous voyez assis à même le sol. Dans tout ça, nous avons lutté par rapport à tout ça pour empêcher que les populations ne continuent à souffrir. Bon, le clos, vous avez vu le partenariat public-privé que nous avons fait pour la construction de machines de passer. Donc tout ça, c'est autant de choses qui entrent dans notre GBCR. Yes, sir, Mr. Mayor, besides the accomplishments which you have cited, there should have been some difficulties that you faced. We all saw one of them, which was, of course, a strike action that was staged by some workers of the council. Apart from that, which other challenges did you really face? Non, je peux vous dire que déjà, cette grève dont vous faites allusion était une grève montée de toutes pièces et qui a fait honte en même temps même à l'administration et même à tous ceux qui ont vécu, parce que pour pas imaginer, je me retrouve entre une gendarmerie, une sous-préfecture et un poste de commissariat central numéro 2, et où les gars disent qu'ils font une grève sans préavis. La loi camerounaise permet que les grèves doivent se faire à partir du 8, mais ils se retrouvaient le 7. Pendant tout ça, ni le sous-préfet, ni le commissaire, ni le commandant de brigade, personne n'a rien dit. On les a laissés faire le désordre. Et faire une grève ne vous donne pas le droit d'aller fermer les portes de l'entreprise. Ils ont fermé les portes, ils ont tabassé leurs collègues qui se retrouvaient dans les bureaux en train de vouloir travailler. Ils ont apporté des cercueils, des croix, ils ont fait tout un désordre pour dire qu'ils réclamaient le salaire alors qu'ils n'avaient même pas le droit. Nous avons tout fait, nous avons réglé, tout simplement parce que ils avaient un système que nous avons trouvé en place. Ils préféraient faire des mois sans salaire parce qu'ils allaient se remplir les poches dans le quartier. Nous avons mis sur place un système pour permettre que tout l'argent que la commune rentre dans la caisse et comme ça que le salaire passe régulièrement. Ça les a directement coupé le souffle et puis c'est le phénomène qu'ils ont eux-mêmes appelé brigade rouge. C'est-à-dire que quand nous avons essayé de tout faire pour mettre fin à ces brigades rouges, ils n'étaient pas d'accord. Mais en réalité, il n'y avait rien qui les amenait à faire la grève. Après cette grève, nous avons tenu bon. Et je peux vous assurer que depuis ce moment, nous sommes à pratiquement 3 ans sans retard. Quand il dit retard, c'est pour dire que le 30 au plus tard, les salaires sont payés. Vous pouvez vérifier, même à l'heure où nous parlons, il y a certains qui ont déjà fini leur salaire. Donc le salaire est toujours payé à date. Depuis au moins 3 ans, parce qu'au moins nous avons mis un système en place pour pouvoir récolter de l'argent et faire en sorte que les caisses de receveurs soient bien fournies. Alors, fort de ce bilan, on peut se dire, vous pouvez vous dire, maire satisfait, peut-être que je vais passer la main. Qu'est-ce qui motive cette nouvelle candidature? Pourquoi vous décidez d'y retourner? Je vais vous dire en toute réalité que je tiens à retourner parce que j'ai des gros chantiers que j'ai engagés et avec les lenteurs administratives, on n'a pas pu les boucler. Alors, c'est vrai, c'est des choses pour lesquelles beaucoup de gens se sont adressés à moi par confiance, parce qu'ils savent ma personne, ils connaissent que je ne joue pas avec la chose publique. Donc, ils se sont adressés à moi. Je vais vous donner, par exemple, le plus gros chantier que nous avons sous la main, c'est le chantier des routes, parce que je sais pertinemment qu'à Douala, surtout à Douala 3e, le plus gros challenge, c'est la route. Hein? Quelqu'un a dit, où la route passe, le développement suit. Donc, nous avons donc trouvé quelqu'un, un partenaire qui est prêt à nous faire la route. D'abord, une route ceinture pour tout l'arrondissement et ensuite des routes parallèles pour permettre à ce que Douala 3 soit désenclavé entièrement. Et sur ces routes-là, on va mettre des petits péages de 100 francs pour permettre aux gens de circuler normalement. Et quand, qui veut dire route, veut dire l'électricité. Hein? Et on a un autre avantage, c'est que pour faire cette route, ils nous aident à
nettoyer la ville, parce que c'est avec les déchets plastiques et les déchets organiques qui vont faire les produits qui vont servir à aménager la route, les pavés qui vont aménager la route. Donc on a un gros avantage à pouvoir engager ce chantier, parce que non seulement il va nous nettoyer la ville, mais en plus, nous allons circuler sans problème. Alors, réhabilitation des routes, c'est le premier chantier, il y en a d'autres? C'est le premier chantier, bien sûr, il y a un autre gros chantier. C'est que vous savez, la jeunesse monte grandement. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement l'université qui est en train de renvoyer toute sa jeunesse au niveau de PK17. Et partout dans l'arrondissement, ce n'est que des jeunes partout. Et nous avons donc décidé aussi de faire des points internet dans tout l'arrondissement, pour permettre aux enfants de pouvoir faire leurs recherches sans problème. Parce qu'il y a des enfants parfois qui sont obligés de quitter les nuits. Je veux dire, par exemple, même devant ma maison, hein, je me suis rendu compte une fois que je croyais que c'était une foire, parce que vous avez utilisé le wifi. Oui, mon wifi allait jusque sur la route, ce qui fait que tout le soir c'était rendez-vous de tous les uns et tout. Et c'est ça qui m'a motivé à dire que non, attends, autant de monde comme ça pour un petit wifi du tout, rien du tout. J'ai donc dit non, quand ils veulent bien trouver quelqu'un, ils vont trouver aussi un partenaire Huawei pour ne pas faire la publicité ici, avec qui nous sommes en contact pour pouvoir faire des points internet dans tous les quartiers de la ville. Cela permettra aux enfants de pouvoir faire leurs recherches sans problème. Alors pour aller schématiquement, tout ça vous prend combien de temps? Déjà la faisabilité des routes, ça coûte quoi aux citoyens de la ville de Douala 3e? Ça prend combien de temps? L'installation de wifi de... Non, ça c'est des chantiers de rien du tout. Je vous dis, c'est des partenariats plus privés. Donc il suffit que les cahiers de charges soient déjà, que tout le montage des dossiers soit fait, d'accord, que ce soit validé par la tutelle, que ce soit validé par le Minepat, le FEICOM. Et même pas le faire comme, parce qu'il n'a pas besoin de l'argent. C'est-à-dire que c'est lui-même qui vient investir. Et comme c'est un partenariat, il va mettre le péage. Je vous ai dit, c'est 500 francs. Et quand, par rapport au montant d'argent qu'il aura dépensé en amortissement, ça peut faire 3 ans, ça va faire 4 ans, 5 ans. Dès qu'il aura fini d'encaisser son argent, tous les routes deviennent à la mairie. Donc les points wifi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils viendront mettre le point wifi, ça va nous coûter, je pense, comme ça, peut-être 100 francs, et on va dire que, bon, l'amortissement par rapport à ce que ça devrait faire, on va le faire peut-être en un an, en deux ans, et après, ça revient à la charge de la mairie. Okay. Mr. Mayor, one of the biting problems in Douala 3 is urban disorder, and we all know the headache that Ndokoti in particular has caused many mayors, many administrative authorities in that particular area. In your new mandate, how do you hope to tackle this urban disorder, particularly around Ndokoti? Je peux vous avouer que si les gens sont honnêtes, ils vont comprendre que au moins son souffle depuis mon arrivée à la tête de la mairie de la 3e, parce que dès mon arrivée, je suis venu avec le plan de la police municipale. J'ai créé un poste de police municipale là-bas qui est venu en aide à la police nationale. Et ensemble, on a essayé de juguler tous ces problèmes d'embouteillage. Le gros problème avec nous, là-bas, c'est un problème d'effectifs. Parce que ce soit du côté de l'administration, que ce soit du côté même de la mairie, on n'a pas un effectif suffisant pour pouvoir faire la veille à Ndokoti. Parce que tout ce qu'il y a à lieu de faire, c'est de dégager les gens et de rester là-bas. Parce que sinon, dès que vous avancez, immédiatement, ils se réinstallent et c'est du pareil. Donc, nous avons fait beaucoup de grosses choses là de côté. Mais je crois que, comme je le dis toujours, il faudrait que l'État voit la notre secours, parce que voilà le chêne qui arrive, voilà la canne qui arrive. Si on ne peut pas vraiment, faute de pouvoir faire un échangeur là-bas, parce qu'on n'aura même plus suffisamment de temps, mais au moins qu'on donne les hommes. Parce que ma police municipale, par exemple, je vous dis que si ces enfants-là avaient été des employés recrutés comme nous avions fait la plaidoirie au niveau de la communauté urbaine, s'ils avaient été recrutés, on aurait les moyens pour les sanctionner et tout, ils ne pouvaient pas se mettre à faire des détentions comme ils font maintenant, parce qu'au moins c'est des employés réguliers. Tant que c'est des temporaires, c'est des saisonniers et tout, le gars ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a des moments où il veut bien faire le boulot, mais parfois quand... Mais qu'est-ce qui vous empêche de les recruter? Bien, parce qu'on n'a pas de moyens de le faire. Nous avions négocié au niveau de la communauté, ils nous ont promis qu'ils devaient recruter au moins une trentaine. Malheureusement, on a fait tous les dossiers, les gars ont fait des examens médicaux et tout et tout. Après, rien. Bon, pendant ce temps, les gars, ils vivaient sous l'espoir. Et je ne les dédouane pas, hein, parce que c'est vrai, tout le monde crie que ces gars, ils bousculent les basquineurs, ils font ceci. Mais je me dis que par moment aussi, c'est un problème de manque de civisme. Et aussi parce que, comme je dis plus haut, le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais je crois qu'il y avait moyen de les sanctionner suffisamment et tout, et qu'il va perdre son matricule et tout, il ne ferait pas n'importe quoi.
Alors, sur le plan de purement politique, on sait que c'est une ville extrêmement convoitée. Hein. Le RDPC, le SIF, le PCN, l'UPC, bref, un certain nombre de partis. Et d'ailleurs, certains de vos adversaires vous accusent d'avoir constitué une liste essentiellement composée de vos proches, ou presque essentiellement composée de vos proches, qui donne l'impression que vous voulez vous accaparer avec les vôtres de la mairie. Mais je crois que c'est mal connaître même notre pays, parce que mes adversaires parlent disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, parce que je crois que le dire ainsi veut dire qu'il est quand même mal fait son boulot. N'est-ce pas? Et je crois que quand on compose une liste, ne serait-ce que dans le parti, il y a quand même une série d'investitures. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas venir ramasser les gens de même famille et tout les mettre dans une famille. Ce n'est pas possible. Donc, il y a l'œil partout. Il y a déjà le parti, il y a déjà l'ELECAM, il y a l'administration, tout ça. Donc, aujourd'hui, commencer à dire ça comme ça, je dis... quand on n'a rien à dire, le mieux, c'est de se taire. Monsieur le maire, votre profession de foi, vous allez regarder les téléspectateurs et vous allez leur dire sous quel signe, déjà, vous envisagez mettre ce mandat pour lequel vous repartez. Et quelle est la profession de foi, l'engagement ferme que vous prenez ce soir vis-à-vis d'eux pour que si vous choisissez dimanche, qu'ils soient sereins dans leur choix? Je voudrais dire à ma population de Douala 3e de continuer à me faire confiance, parce qu'ensemble, nous avons cheminé pendant 6 ans. Vous m'avez vu à l'heure, sous la pluie comme sous le soleil, à vos côtés, pour qu'ensemble nous ayons échangé notre arrondissement. Nous avons mis notre... profession de foi dans la continuité de notre action au tête de cette, à la tête de cette mairie. Et ce n'est qu'avec vous que je pourrai continuer. Parce que je sais que ce n'est qu'ensemble qu'on réussit. Je vous invite donc à me soutenir pour qu'après le 9 octobre, nous reprenions notre bâton de commandement et que nous rentrons dans les quartiers pour aménager d'abord les routes, ensuite voir les problèmes d'électricité, d'eau, des écoles, des dispensaires et tout. Moi, je crois que tout ça, c'est des gros chantiers que nous avons commencé ensemble. Et je suis sûr qu'avec votre aide, je vais réussir, parce que nous sommes tout le temps ensemble. J'ai toujours dit, je suis comme le garde malade qui connaît comment le malade souffre la nuit. Je vous recommande de me faire confiance et ensemble, on va porter Douala 3 très très haut. Et ils ont certainement compris qu'on parlait plutôt du 9 février, puis tant ceci. Sure. Thank you very much. I would like to briefly, for you to briefly explain, because many people say you build in Dokpasi, that the Dokpasi market has been built, but the market is so expensive for the traders that want to go into stores and those that want to have some shit. Can you briefly tell us why that particular problem? Non, je veux vous dire que le problème marché de Dokpasi a été suffisamment étudié, parce que en réalité, le partenariat que nous avons permet à ce que le commerçant fasse un remboursement de coûts. C'était calculé au franc près, ce qui fait que la boutique revenait à 3 millions et les comptoirs à 400 000. Nous avions commencé d'abord par recenser les commerçants qui étaient sur place et on leur a donné 2 années pour payer. Alors, passé ces 2 années, le partenaire qui a mis son argent doit commencer quand même à s'inquiéter, parce que c'est le crédit qui prend la banque et tout et tout. Passé les 2 années, j'ai demandé donc d'ouvrir à qui il pouvait venir. C'est pour ça que donc les gens commerçants qui croyaient me faire un blocage, parce qu'ils se disaient que peut-être j'ai pris l'argent de la mairie, j'ai dit, la mairie n'a sorti aucun franc. Pour le petit calcul, je peux vous dire que chacun de nos élections dans la boue, on devrait récolter maximum 600-700 000 francs de droits de place sur le marché par mois. Bon, avec ce partenariat, quand on va commencer, parce que des gens disent que j'ai mis ma famille pour récolter, ça fait 2 ans qu'aucun commerçant n'a payé un franc en Dokpasi. Je vous le dis, je peux vous le jurer. 2 ans au moins que personne n'a payé un franc, ni à la commune, ni au partenaire. Et on est obligé d'engager cette opération-là maintenant. Quand on va lancer l'opération de recrutement, la mairie va récupérer 40% des frais de droit de place. Ce qui lui amène, ce qui fait dans les 5 400 000 francs tous les mois. Alors que, en temps normal, il n'arrive même pas à encaisser 1 million. Donc, vous voyez donc que ce partenariat est déjà gagnant pour la mairie et il va durer 11 ans. Après les 11 ans, la mairie, le marché revient entièrement à la mairie. On va se retrouver à encaisser pas mal d'argent. Donc vraiment, on n'aura pas à souffrir. De toute manière, nous avons plein de partenariats comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le marché de Passy et sont en train de cogner à notre porte. Les gens, il y a quelqu'un qui est déjà prêt pour faire un marché
à Mangapongo, il y a un autre qui est prêt pour faire le marché dans la zone de recasement, il y a un autre, quelqu'un qui est prêt pour le marché PK14. Et maintenant, ce qui nous retarde un peu, c'est qu'il faut d'abord sécuriser le site. Il faut que le site appartienne à la mairie. Parce que si tu ne peux pas aller, on ne peut pas faire un partenariat sur une zone qui n'est pas titrée. Donc tout ça, c'est ce problème de sécurisation du site qui fait. Et je vois déjà peut-être vos citoyens s'interroger pourquoi tous ces partenariats interviennent en fin de mandat, mais bon. Mais non, c'est pas en fin de mandat, c'est un partenariat, c'est pas en un jour. D'accord. Même celui du marché n'est pas pour démarrer après 2 ans. Peut-être pour finir, oui. Un ou deux mots pour soulager peut-être vos populations qui souffrent évidemment des problèmes d'eau et d'électricité, oui. Comme tous les citoyens de la ville de Douala, par exemple. En réalité, pour le problème d'eau, je crois que ma population était la plus sinistrée. Et avec ma manière de pouvoir aborder les gens, nous avons fait des partenariats avec Camwater, qui a installé des citernes, pas des citernes, des bonbonnes d'eau dans les quartiers pour au moins essayer d'atténuer ces problèmes d'eau. Et en ce qui concerne l'électricité, nous sommes dans une zone industrielle, on croyait même pouvoir bénéficier des gaz du Cameroun pour pouvoir faire marcher de la centrale qui était là à côté. Malheureusement, je crois que c'est un problème qui est un peu au-dessus même de la mairie. Nous continuons à subir ces problèmes électriques et je crois que la population va continuer seulement à attendre que les problèmes techniques soient jugulés pour permettre qu'on n'ait plus trop de coupures. Mais pour l'instant, aller faire des promesses fallacieuses, ce n'est pas trop mon genre. Vous êtes réaliste. Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Absolument. Yeah. Thank you very much, Mr. Amir. Merci. Yeah, merci, Monsieur le maire. OK. Yeah, and that leads us right away into the second part of the program, where we take you now to the field to leave the atmosphere of the ongoing campaigns. Stay with us. Plus d'une centaine d'observateurs, du moins ceux qui ont pour l'heure été accrédités, ont répondu présent à l'échange convoqué par Elections Cameroun. L'objectif, selon Eric Essoussé, était de les accueillir, les orienter et éclairer sur le niveau de préparatif du double scrutin du 9 février prochain. La distribution des cartes électorales se poursuit sur le terrain et est estimée à 96%. À ce jour, tout le matériel électoral est déjà sur l'ensemble du territoire national. Et tous les moyens appropriés ont été donnés aux responsables de l'élection Cameroun à tous les niveaux pour répondre aux différentes sollicitations. Leur principale préoccupation était relative aux mesures sécuritaires prises, particulièrement dans les régions en crise, aux représentants du ministre de l'administration territoriale de faire le point de la situation. Ils nous ont assuré qu'à l'heure actuelle, ils ont déjà déployé le plus gros de matériel électoral dans toutes les 10 régions. Ils nous ont aussi assuré que la qualité est bonne, mais dimanche on verra. On verra si c'est bon ou pas. Et ils nous ont aussi fait savoir que l'État a mis les moyens conséquents pour pouvoir assurer la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour que les électeurs sortent pour aller voter, pour que les gens battent campagne en toute quiétude, et même les observateurs nationaux et internationaux puissent, n'est-ce pas, aller observer les élections sans grand problème. Aussi ont-ils évoqué les problèmes liés d'une part à l'accréditation des observateurs internationaux et d'autre part celui du traitement des observateurs dans les bureaux de vote, disent-ils, quelquefois déplorables. Tout à l'heure, on dit qu'il y a des bruits partout, mais c'est rien. Il y a du mécontent, mais ça va se bien dérouler. Selon le ministère de l'administration territoriale, le processus d'accréditation reste ouvert à l'attention des observateurs nationaux et internationaux. Vous savez, la loi a réglé cette question. Hein. La configuration du bureau de vote tient de l'organisation, tient de la structuration. Nous avons à la tête du bureau de vote un président, hein, qui est une personnalité désignée par Elections Cameroun.
Nous avons comme membre un représentant de l'administration. ensuite, nous avons un représentant de chaque candidat ou chaque liste de candidats en compétition. La spécificité ici, c'est que c'est un double scrutin. Mais n'empêche, bien que ce soit un double scrutin, c'est une seule commission locale de vote qui gère le bureau de vote. Le directeur général des élections a pris une disposition par rapport aux membres, une disposition qui est relative aux listes de candidats. Hein? Il a permis que lorsque un parti politique présente une liste de candidats au municipal et une liste de candidats aux législatives dans le même bureau de vote, que ce parti politique ait la possibilité de désigner une personne pour couvrir les deux scrutins ou deux personnes, chacune étant chargée spécifiquement de l'un des scrutins. Donc voilà pour ce qui concerne des personnes que nous retrouvons dans un bureau de vote. Vous savez bien entendu que il est aussi possible de retrouver dans un bureau de vote des observateurs hein, qui n'y viennent pas, qui n'y résident pas, mais qui sont de passage, qui observent et qui passent les autorités administratives, les officiels d'Elections Cameroun, des journalistes accrédités, etc. It's a very important document in the life of every journalist. We all know what elections represent in the life of every nation. Elections can either build or destroy a nation. And take it or leave it, most of this election saga is played around the media. When politicians go on the ground to campaign and they don't see their reports, watch their reports on TV, listen to their reports on radio or read on newspapers or online, it becomes a problem. And we always tell our colleagues, politicians are always good at using others, using the press. So in order not to be used, you need the law. What does the law say about elections? It's the most appropriate moment for us to give to arm our members with what the law says about elections. We are going in for two major elections that will determine the life of this country, the life and shape of Cameroon. We need to arm our members with what the law says on elections, on how to do their reports. The do's and don'ts on journalism, those ones we know. But this is another process, elections, electioneering. There are whole laws guiding, you know, this process. And that's why we thought it wise that we should distribute these books to our members at this point in time. L'occasion s'y prétend, des jeunes des arrondissements de Déa 1er et Déa 2e ne sont pas allés du dos de la cuillère pour égrener le chapelet des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Des freins pour leur plein épanouissement. Sur le plan du développement, les populations qui vivent dans la précarité, dans nos quartiers. Je vous parle d'exemple, ceux qui vivent dans les zones marécageuses, comme Mbadet, sur le Foucault, les gens qui sont inondés tous les jours quand ils payent le petit. Au cours d'une rencontre avec un candidat RDPC au poste de conseiller municipal dans la mairie d'arrondissement des Déa 1er, les jeunes de la ville Lumière s'offusquent de ce qu'ils ne bénéficient pas des opportunités d'emploi. Le marché de l'emploi dans cette partie du Cameroun est saturé par une couche vieillissante et pour cela, ils en appellent au bon sens des pouvoirs publics. Lorsque nous regardons les entreprises, nous regardons même Belgique, c'est beaucoup plus organisé en vieillard, c'est beaucoup plus organisé en lobby. Et des jeunes qui ont certains même diplômes, certains petits diplômes pour y accéder dans cette phase. Donc, je ne sais pas pourquoi, je pense que vous avez trouvé une réponse.
Celui qui aspire à un siège à la mairie rassure cette couche sociale. D'entrée, un plan d'assainissement de la ville est en cours. On va refaire les voiries. On vous donne 5 km de caniveau à faire. Vous vous entendez entre vous. On vous donne l'avance de démarrage. Vous faites vos caniveaux. À la fin, vous avez votre décompte. Vous vous partagez. Rien que de quoi vivre et le reste, vous refinancez votre capital. Identifier les réelles problématiques et les récriminations que la jeunesse des DEA a envers le parti au pouvoir sont entre autres sujets à l'ordre du jour. Des cris qui ne sont pas entrés dans les oreilles des sourds. C'était un moment d'échange et de concertation avec les jeunes afin qu'on puisse tous prendre en compte les besoins des jeunes dans la ville des DEA, réfléchir ensemble. Parce que nous n'avons pas la science infuse. Une stratégie électoraliste qui amène à s'interroger sur le visage qu'aura la vie d'Edea au lendemain du double scrutin. De la méthode. The SDF parliamentary candidate for Fako East in the southwest region is frowning over alleged fraudulent actions aimed at jeopardizing the credibility of the February 9 municipal and legislative elections in the constituency, accusing fingers are pointing at the CPDM party and the election organizer Elecam. Rather unfortunate, Article 82 and 83 of the Electoral Code states clearly too that in the case of election, those who will be deployed to some areas like the force of law and order, their names have to be registered on the electoral list at least 6 days to elections by the electoral board. I don't know if it has been done. Based on our knowledge, it has not been done. In the face of these irregularities, the party has taken judicial action. We have filed a petition to the divisional head of Elecam, and we have filed a petition to the court. We need to have the list of the force of law and others who have been sent to assist during the election period. If not, we know there's something fishy. Should the competent authorities not come up with an adequate response, the SDF is considering the zero option. If this is not corrected, the SDF is not going for any election. Because you see, well, since the elections were, the campaigns were launched, the SDF is the only party that has been moving around doing campaigns. This is not a national election that you go and sit in Boya Boya. Only our militants, delegates, divisional delegates, sub-delegates, council workers, you launch your campaign, you come to Limba, you do the same stuff. These are local elections. You need to go to the base. Apart from Fako Division, the SDF is also denouncing alleged fishy games in Kumba, Meme Division, where it has already filed a case in the court. We read with shock such a disdainful allegations on his person and wish to state that they are all lies. They are lies which we have concluded are generated by persons who lack knowledge of the terrain and they lack the know-how to go about their campaigns. So they'll definitely turn to defeatist tendencies, to tarnish and blackmail the image of someone they know they can't beat. And I bet you the CPDM will assure. It is that assurance that they see in us, that calmness, that humility, that they have turned to blackmail defeatist tendencies. They're trying to ignite hatred, trying to ignite the population to violence that has list leader of Limbe 3 municipal CPDM list. We are not, we have not, we will not engage in any malpractices. We have successfully convinced the population and we are confident that will give us their votes come February 9. Pour
Carlos Ngualem, candidat municipal dans l'arrondissement de la 5e, la grande mobilisation des populations de Makepe hier est un indicateur fort qui témoigne de la puissance du terrain du Social-Démocratie Front. C'est un signe annonciateur d'une possible victoire, peut-on lire à travers l'émotion qui envahit le maire sortant. Une victoire au soir du 9 février 2020 que confirme la tête des listes SDF Avri Est. Par ailleurs, l'aspirant à nouveau à la députation met en garde l'ECAM contre toute irrégularité sur à travers une machine qu'il a baptisée Brigade Antifraude. Le député SDF sortant évoque la volonté du parti quant à son engagement et détermination à ne plus commettre les erreurs d'antan. À trois jours du vote, le déploiement des candidats engagés au double scrutin se fit sur le terrain et c'est chacun qui y va selon sa stratégie électoraliste au fin de s'attirer la sympathie des électeurs le 9 février 2020. Retour sur ce plateau, vous venez de voir quelques éléments hein, recueillis aussi bien hier dans la nuit, comme on a pu voir le SIF et tout au long de cette journée. C'était donc les éléments recueillis par la rédaction de STV ici à Yaoundé. Cela dit, on va tout de suite aller du côté du Mbam et Inoubo pour avoir la tête de liste du PCRN. Nul autre que René Bonono Bakota, le Purs, pardon, tête de liste Purs dans cette localité-là. René, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Je commence tout de suite par corriger. C'est plutôt le Purs, c'est non le PCRN. C'est vrai que je l'ai fait une minute avant, mais c'est peut-être parce que le PCRN est sur ce plateau. Ben, évidemment que je sais que vous êtes du Purs. Merci hein, de nous permettre d'avoir des éléments de ce côté-là. D'abord, comment se déroule la campagne? Quel est l'état d'esprit, tout au moins au niveau du Mbam et Inoubo? C'est dans la région du centre. Oui, exactement. Le Mbam et Inoubo, c'est l'un des 10 départements de la région du centre. Écoutez, la campagne, elle se déroule plutôt bien. D'après les messages que nous soutenons jusqu'à aujourd'hui, je pense que les indicateurs d'évaluation de progression de notre campagne sont plutôt verts. Et je pense que le message est bien reçu des populations qui finalement accueillent bien le message de la rénovation qui est le point central du PURS. Nous avons commencé, comme la loi l'indique, depuis le 25 janvier. Nous sommes à 2 jours de la clôture de la campagne et nous manifestons un certain satisfait de la façon dont les populations accueillent la population. Le message que nous leur portons. Et comme nous le disons, partout où nous passons, dans les milliers de villages, moins des villages que nous parcourons juste ici, pour les 9 arrondissements du Mbam et Inoubo, nous leur disons, notre combat n'est pas contre un individu, encore moins
développement et les mauvaises pratiques qui prennent cours finalement dans le vécu quotidien de nos populations et qu'il leur appartient de sanctionner sévèrement le 9 février prochain tous les promoteurs de ces phénomènes dont nous décrions. Je voudrais dire que, comme vous pouvez le constater, je suis dans un état d'esprit serein, y compris nos différentes équipes de campagne, et nous véhiculons calmement notre message qui, il faut le rappeler, est non seulement puisé entièrement du projet de société du PURS dont le leader est Serge Espoir Matomba, mais aussi des réalités quotidiennes à partir, pour ce qui est des communes, des programmes communaux de développement dont nous avons estimé qu'ils ont été sérieusement montés et accompagnés par le programme national de développement participation. Donc alors, c'est un satisfait global, même si on peut noter quelques actes de vandalisme de la part du RDPC qui se permet de déchirer nos affiches ça et là, de déplacer les positions stratégiques alors, René, de nos banderoles. Oui. Nous n'avons pas la capacité de matérialisation de ce que vous dites. Évidemment qu'on ne remet pas en cause, on ne doute pas non plus de cela, mais je pense qu'il serait bien de circonscrire plutôt le développement à votre déploiement. Cela dit, il est clair que vous êtes engagé aussi bien pour les municipales que pour les législatives. Quel est le projet de société municipale que vous vous proposez aux populations, aux électeurs de cette localité? Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure que notre projet, ce que nous appelons le programme, notre offre politique et de développement pour ce qui est de l'arrondissement de Bokito notamment, même s'il faut rappeler que le plus compétit dans trois arrondissements de ce département, dont Bokito, Kongyambeta et Ndiki Nimeki, nous proposons tout simplement aux populations une rénovation totale de cet arrondissement, qui part déjà de ce que nous disons d'une considération, parce que nous estimons que les populations du Bamenoubo ont jusqu'ici été marginalisées de la progression et du développement du Cameroun. Pourtant, il s'agit là d'une région extrêmement stratégique qui est tout au moins un grenier agricole de la région du centre et en même temps un quartier latin, si vous voulez, de la région du centre. Et par conséquent, elle devrait bénéficier de ce statut que la nature lui a procuré. Je ne vous parlerai pas de la bénédiction du relief dont bénéficie le Mameinoubou dès que vous traversez le pont sur la Sanaga. Et nous essayons donc d'amener les populations à comprendre qu'en réalité, la situation dans laquelle elle ploie actuellement, je pourrais vous dire que j'ai dû boire des potions pour pouvoir passer à votre antenne parce que le niveau de poussière que j'ai inhalé pendant ces deux semaines de campagne juste ici ont fait en sorte que je perde un peu ma voix. Mais pour le respect de vos téléspectateurs, j'ai dû inhaler quelques potions. Donc, nous proposons des choses tout à fait simples pour ce qui est notamment de la commune de Bokito. Nous disons que nous voulons créer 5000 emplois en 5 ans à partir d'un certain nombre de leviers que nous souhaitons doter indépendamment, évidemment, du développement de l'investissement dont Bokito a besoin. Nous comptons mettre au moins 10 à 15 millions de francs chaque année comme fonds de garantie de souveraineté pour accompagner justement les jeunes qui ont des projets et qui aimeraient développer de l'économie. Nous pensons développer de l'écotourisme au sein de Bokito qui dispose d'un potentiel extrêmement important à côté de la richesse culturelle dont il est important que les populations puissent bénéficier des dividendes et que c'est transformé justement en des réalités touristiques. Nous comptons moderniser la carrière de sable de d'Ombessa juste après le pont, je vais dire de Bokito après le pont des Debda, pour justement permettre aux populations de ne plus plonger à partir des pirogues au fond de l'eau et ressortir un à deux, trois, quatre sauts pour pouvoir réussir à faire une benne de sable qui alimente finalement toutes les constructions de Yaoundé. Donc, c'est une kyrielle de projets. Nous avons un projet en 16 phases qui est partagé avec les populations. Donc, le message aujourd'hui est évidemment une alternative, je dirais, une rénovation que nous appelons entièrement de cet arrondissement. Merci infiniment René Bonono Bakota. Merci et puis bon vent, bonne continuation tout au long de cette campagne. Merci beaucoup mon cher Dipita et bonne soirée à tous vos téléspectateurs. Merci infiniment. Pita, retour sur ce plateau.
Exactly, that was René Bonono, candidate for the municipal elections in the Bam and Enugu division in the center region of the country. He is a member of the PUSA political party vying in for the elections. Now, in the studio, we are being joined by Christian Jog Nkongo. He is a candidate for the legislative elections for Vuri East under the PCLN political party. Good evening, sir. Good evening, sir. Bonsoir, Dipita. Bonsoir, mes co-panélistes. Et bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment même. Et c'est un de Cabral Libi. Exactement. Effectivement, je suis candidat à l'élection législative pour le compte du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale à Vuri Est, dans les arrondissements de Douala 3e et Douala 5e. Et naturellement, le président est Cabral Libi. Tête de liste. Non, notre tête de liste, naturellement, est mademoiselle, madame Nouran Fouting. Nous sommes membres de la liste. Candidat titulaire. Ok, you have been joined. We also, just beside you, we have Ghislaine Nguesso. Ghislaine Nguesso, you are a member of the communication team of the New Popular Movement of Bandakani. Good evening. Good evening, Mr. Pita. Bonsoir, Monsieur Dipita Tongo. Effectivement, je suis de la cellule de communication du NMP qui porte un projet innovateur, un projet révolutionnaire, en l'occurrence la mairie du 21e siècle. C'est ce projet que je viens ici présenter aux téléspectateurs de STV2. Exactly, we'll be coming to that. And also we have Raymond Biri. He is candidate for the municipal elections of Douala 4. He is a member of the Cameroon People's Democratic Movement. Good evening, Raymond. Good evening. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir mes copanélistes. Bonsoir aux nombreux électeurs de la commune d'arrondissement de Douala 4e. Évidemment, la première phase, il est d'abord question de reprendre le pôle, hein, tel que vous percevez la campagne sur le terrain. On le disait, on se le disait en off tout à l'heure, il est de plus en plus difficile de mobiliser les leaders, mais vous aussi, tous ceux qui sont engagés, les candidats dans cette campagne. C'est dit que Raymond, à un peu moins de 72 heures, la campagne, ou alors du moins, vous, les candidats, êtes de plus en plus sur le terrain pour davantage faire passer votre message. Justement, avant de répondre à votre question, peut-être, il faut que je vous décline comme ça l'organisation de la campagne au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Certainement. Voilà, c'est-à-dire que nous, au niveau national, nous avons une commission nationale de campagne avec des sous-commissions. Et ce principe d'organisation s'est dupliqué au niveau de la région avec une commission régionale de campagne et ses sous-commissions également, communication, logistique, etc. Au niveau du département, c'est le même principe. Et au niveau de l'arrondissement, une commission communale de campagne. Alors, au sein de la commission communale de campagne, on a créé des commissions de campagne de secteur. Ça veut dire que nous, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous avons divisé la commission communale, c'est notre arrondissement, en 26 secteurs. Et les secteurs également qui recoupent les quartiers. Vous voyez un peu les sous-quartiers. Et au niveau des secteurs, nous pouvons avoir même des sous-secteurs qui couvrent des rues pour faciliter la campagne porte-à-porte. Et à l'heure où je vous parle, je viens de laisser comme ça deux mini-meetings dans les villages Bonamikano et Bonassama, justement. C'est-à-dire que nous sommes à ce niveau de campagne porte-à-porte. Tout le matin, nous allons faisons le porte-à-porte. Et l'après-midi, nous convions tous ceux chez qui nous avons toqué, non seulement pour qu'ils votent la liste du RDPC, qu'ils exercent leurs devoirs citoyens, nous les convions à un mini-meeting où nous échangeons avec eux. Voilà un peu le niveau de la campagne où nous en sommes aujourd'hui au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, particulièrement dans notre commune d'arrondissement de Douala 4e. Dispositif similaire au NMP. Le dispositif n'est pas similaire au NMP. Le NMP, dans le cadre de sa architecture de campagne, a mis sur pied ce que nous appelons le Comité national d'organisation. Pour ceux qui ont la mémoire, ils se souviennent que c'est une organisation similaire qui avait été mise en œuvre lorsque l'UPC avait été interdite. Et en dessous du Comité national d'organisation, nous avons mis sur pied ce qu'on appelle la direction de campagne. Effectivement, le NMP est candidat à deux sites, comme ça en l'occurrence, à Douala 1er et Douala 2e. C'est donc dans ces deux communes que le NMP se déploie de façon particulière. Tenons ici à préciser que le NMP a organisé plusieurs meetings dans différentes quartiers et circonscriptions afin de passer le message qui est le sien et de donner aux populations qui étaient présentes, n'est-ce pas, la consistance, la pertinence et l'effectivité du projet municipal que le NMP porte, qui est bien évidemment la mairie du 21e siècle. Un message en passant qui est très bien apprécié et qui est très bien reçu par la population, qui s'en félicite et qui voit en ce projet une véritable alternative politique qui pourra créer les conditions de satisfaction de leurs besoins à la base dans le cadre d'une collaboration pertinente entre le maire et les différentes populations qui sont sur la circonscription. Le PCRN. Effectivement, député, vous m'avez pris. Je suis un meeting, disons. Allez, vous m'avez pris en direct, j'étais
tout à l'heure à Koto, dans le 5e arrondissement, j'ai laissé un giga meeting, n'est-ce pas, organisé. Qu'est-ce qu'on met dans le giga? Dans giga, c'est-à-dire jamais organisé, naturellement, dans l'environnement. Okay. La mobilisation de masse est essentiellement, comment dirais-je, elle est légendaire. Tout le monde est surpris, en réalité, de ce que l'on constate sur le terrain. Cela témoigne bien de la dimension innovante de la campagne, n'est-ce pas, au niveau du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale. Vous l'avez bel et bien vu, c'est le PCRN qui a innové avec la campagne au Cameroun. Ça se passe au Cameroun, à Douala comme à l'américaine. Chez nous, à Vaurie-Est, vous avez vu des bus, vous avez vu des cars, vous avez même vu, je ne vais pas citer ici, la gadgetisation et tout ce qui va avec. Les populations sont fières. Elles sont avec nous et comprennent effectivement. C'est peut-être le 9 ou alors soit des résultats qu'on pourra évaluer. Il faut évaluer cette chaleur populaire. Oui, cette chaleur populaire atteste quand même de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire on n'y va pas, on n'accepte pas quelque chose, on n'y va même pas voir quelque chose qui n'intéresse pas. Ça veut dire que ceux-là, ils vont parce qu'effectivement, ils comprennent que au-delà de la dimension, comme on l'a dit, de la campagne à l'américaine, cela est naturellement accompagné d'un projet de société, d'un projet de société micro, qui est naturellement la déclinaison macro du grand projet de société que notre candidat président Libby Cabral a porté, n'est-ce pas, pendant la présidentielle, qu'on appelait « Pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies ». Yeah, Raymond, we are barely 3 days to election day. At this particular stage, what is the CPDM telling its militants, particularly in the Douala 4? Is there a change in the strategy? Non, notre stratégie ne se porte plus sur nos militants. Il faut dire que nous avons parlé à nos militants et nous avons recueilli les aspirations depuis la période de la pré-campagne. Alors cette période qui a précédé la date officielle de lancement de la campagne le 25 janvier. Pendant cette période, nous avons convié nos militants, nous avons effectué des descentes. Vous savez, le Rassemblement du peuple camerounais est organisé de telle sorte que vous avez une section qui couvre tout l'arrondissement, vous avez une sous-section qui couvre les quartiers, vous avez un comité de base qui couvre les sous-quartiers et des cellules qui couvrent les familles ou des regroupements. Alors à cette occasion, nous avons rassemblé tout ce beau monde qu'on peut réunir sur le label de nos militants. Nous les avons parlé, nous avons échangé. Aujourd'hui, à cette phase de la campagne, vous dites nous sommes à 3 jours. Effectivement, la semaine dernière, nous avons bouclé avec les échanges avec ce qu'on appelle la société civile, les groupes sociologiques, les associations culturelles. Aujourd'hui, donc, comme vous le dites, nous sommes à la face des indécis. Nous parlons aux indécis et nous parlons à ceux qui ne veulent pas aller exercer le devoir citoyen, c'est-à-dire celui de voter, de choisir ceux qui vont mener leur destinée ou alors leur vie, la vie de la commune. Voyez un peu, parce que quand un certain nombre de partis aujourd'hui crient au boycott, non, nous devons dire aux populations que c'est leur droit citoyen, ils doivent aller voter, ils doivent aller choisir leurs dirigeants. Voilà un peu notre démarche aujourd'hui. C'est une démarche qui a dépassé le militant, c'est une démarche qui a dépassé les sympathisants, c'est une démarche qui va vers les indécis, nous les parlons. Et c'est pour ça que nous faisons le porte-à-porte et le soir nous les convions à un mini-meeting d'entretien. Christiane, at the level of the PCRN, what is the message that you're giving to the population at this particular time? Yes, please, let me express myself in French. Exactly, go ahead. À ce moment, n'est-ce pas, de la campagne, comme je le disais tout à l'heure, Monsieur Dupita, pour reprendre, n'est-ce pas, à mon compte, une expression qui a pignon sur rue dans notre pays, réconcilions-nous tant qu'on est encore vivant. Ce passage pourrait paraître naturellement anecdotique, mais il revêt tout son sens. Au moment où la République tente à se désagréger, au moment où les sirènes, n'est-ce pas, du divisionnisme et du partitionnisme tendent, n'est-ce pas, à accroître, n'est-ce pas, dans notre pays, nous nous sommes dit il est temps d'amener les citoyens camerounais à se réconcilier. Les citoyens tendent les deux pas des rives du Mongo. Et cette réconciliation ne peut s'opérer que dans un cadre, ce cadre qu'on appelle la République. C'est ce que nous leur disons pour le moment, à ce stade, que la République, c'est ce que nous avons de plus cher. La République, c'est ce qui est au-dessus de nous, c'est ce qui nous transcende. La République, et nous avons naturellement défini la forme de République dont nous voulons, et nous l'avons appelée ici la République fédérale à variante communautaire. Donc, c'est un nouveau concept, qu'est-ce que vous y mettez? Le fédéralisme communautaire ou le régionalisme identitaire. Okay. Un projet qui est connu. Voilà, c'est un projet connu, non? C'est-à-dire, c'est la suite de ce que nous avons proposé jusqu'ici. Nous pensons bel et bien que notre spécificité camerounaise, c'est la diversité. Et il est question ici d'unifier l'unité et la diversité pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre un Cameroun, comme on l'a dit,
qui se veut, n'est-ce pas, républicain et réconcilié envers lui-même. On ne peut pas se mentir. Aujourd'hui, la République, tant que je l'ai dit ici, a se désagrégé. Et nous autres, fils de la République, nous devons proposer naturellement des éléments qui pourraient rassembler toutes les différentes couches sociologique et même sociale de la République, que ce soit les Bensikineurs, que ce soit les Sauveteurs, que ce soit les étudiants, que ce soit les Bayam Salam, les Colboxeurs et autres, on leur dit, écoutez, nous sommes à une période charnière de l'histoire de notre pays. Nous avons eu des années 1948 à 1960, nous avons eu les années 1992 à 1990, nous avons eu les années 2000. Donc, au 2010. Cours de cette élection de proximité, vous allez refaire le Cameroun. Aujourd'hui, nous leur disons, nous allons effectivement réconcilier les Camerounais du Bita. Quand je parle de ce mot réconcilier, c'est-à-dire réconcilier dans quel cadre? Dans un cadre de la République. Et quelle République? Une République qui protège et qui libère les énergies. Maintenant, c'est cette protection que nous avons naturellement que nous allons naturellement développer en termes de propositions de loi. En ce qui me concerne, moi qui va au Parlement, c'est également cette déclinaison micro au niveau de nos communes que nos différents candidats iront naturellement mettre en place. Alors, puisque beaucoup sont dans les élections de proximité, essayons déjà de voir les problèmes que vous avez identifiés au sein des populations pour lesquelles vous sollicitez les suffrages. Ghislain, et peut-être derrière, on va parler des solutions proposées. Effectivement, les populations de Douala 2e et Douala 1er ont des problèmes évidents. Dans le cadre du travail préélectoral, pré-campagne que nous avons fait au nom du NMP, nous avons donné la peine d'investiguer de façon assez pertinente pour avoir connaissance de tous les problèmes concrets que passe Douala 2e. Bon, dans le cadre de ce qu'on appelle les focus groups, on s'est organisé pour n'est-ce pas, leurs avis par rapport aux problèmes qu'on sait. Ça fait donc que Douala 2e, Douala 1er ont un nombre de problèmes dont le NMP est parfaitement au courant, est parfaitement au fait, et nous sommes donc organisés pour, dans le cadre de ce que nous appelons le programme de gouvernement municipal, créer les conditions pour apporter des solutions concrètes à ces problèmes. Il faudrait commencer par préciser que le NMP déjà a proposé ce qu'on appelle un programme de gouvernement municipal. Et dans ce programme de gouvernement municipal, on commence par préciser ce qu'on entend par gouverner. Qu'est-ce que c'est que gouverner? Gouverner, évidemment, pour le NMP, c'est conduire les hommes dans le cadre d'un ordre politique vers la satisfaction de leurs aspirations. C'est l'art de manier l'autorité en vue de la sauvegarde de l'essentiel dans la communauté des hommes. Bref, gouverner pour le NMP, c'est préserver la vie. Et quand on parle de gouverner dans le municipal, il y a ce qu'on appelle l'action municipale qui est mise en exergue. Or, l'action municipale a des enjeux qui lui sont inhérents. En l'occurrence, il y a un enjeu global. Ça suppose que nous sommes de plus en plus en conscience que la Terre est dans une situation, on appelle ça le rapetissement. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le choc démographique et le choc écologique qui crée les conditions pour de moins en moins. On commence à avoir les théories malthusiennes qui sont en train de refuser. Ça veut dire qu'en fait, les gens veulent diminuer la population de la Terre. Ça fait donc que c'est un choc concret que la population fait. Qu'est-ce qu'on appelle l'enjeu régional et sous-régional? Cela se traduit notamment avec le cas du franc CFA. Vous savez que dans le cadre du sommet récent qui a eu lieu à Yaoundé, les chefs d'État de la CEMAC ont donné mandat à la BEAC et à la CEMAC de mettre sur pied un mécanisme qui permettrait d'avoir une monnaie communautaire. Ça, c'est l'enjeu sous-régional. L'enjeu national, de plus en plus, il est évident, et le secrétaire général de l'ONU nous a dit clairement que l'Afrique était menacée de recolonisation. Ça suppose que les dynamiques internationales sont mises en place pour que les Africains puissent, n'est-ce pas, être davantage, n'est-ce pas, en situation pire que ce qu'on a vécu pendant les années de colonisation. Et au niveau de l'enjeu local, il est question d'améliorer les conditions de vie par la sauvegarde de la dignité de l'homme. Ça pose donc que la dynamique communautaire doit être bien imprégnée de ces réalités-là pour pouvoir se penser. C'est donc pourquoi le NMP propose ce qu'on appelle la mairie de 21. C'est quoi la mairie? C'est une mairie qui crée les conditions pour réconcilier le maire depuis son bureau avec le citoyen, avec le citoyen là-bas. Ça suppose donc que l'État, en disant raison, est en train d'avouer concrètement qu'il a échoué à développer la partie du sommet. Et donc la mairie du 21e siècle veut donc créer les conditions pour le mouvement à la base, pour la base et avec la base. C'est donc cette mairie-là qu'elle propose. Et les populations sont davantage intéressées à cela. Elles sont très friandes, et dans les meetings que nous faisons, on peut, n'est-ce pas, apprécier leur choix de cette mairie-là qui crée les conditions pour que les personnes s'imprègnent davantage de ce qui sera fait pour elles et pour leur intérêt de façon assez précise. Donc c'est ce projet-là que le NMP propose aux populations de la 2e et de la 1er. C'est un projet qui est très apprécié, très couru, et les populations, n'est-ce pas, le traduiront par leur vote le 9 février 2020. Certainement que les résultats au-delà du 9 février donneront le taux d'appréciation que les populations... On ne peut pas en juger maintenant. Vraiment, vous, les difficultés identifiées sur le terrain et probablement les solutions que vous envisagez apporter si jamais
Non, il faut, dans la quatrième. Il faut relever que mes copanélistes, c'est un plaisir déjà. Ils vous impressionne quoi? Non, ils m'impressionnent parce que je suis en face des jeunes. Je me permets d'appeler Christian parce que nous avons un camarade de fac, bien sûr. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça que ça me fait rire un peu. Bon, je vais revenir un peu sur terre. Nous sommes à une élection locale. Je crains fort que c'était encore la nostalgie d'élection présidentielle de 2018. Je dis que nous, au RDPC, nous ne voulons pas construire le Cameroun en ségrégant les communautés. Le PCRN, nous voulons construire le Cameroun en unifiant les communautés. Et pour le NMP, bon, on ne construit pas une commune, je suis des concepts philosophiques, c'est-à-dire en les récitant, vous voyez. Je vous reprenais tout à l'heure, je vais vous montrer le lien entre la philosophie et la commune. Revenons un peu sur terre. Nous, on n'a pas de terre. Comment je vais dire ça, les problèmes, nous sommes une mairie, nous avons eu la mandature de 2013 à 2019, donc avant de regarder les problèmes, je préférerais parler un peu de notre bilan, celui qui est le nôtre. Alors, le bilan du RDPC à la commune d'arrondissement de la 4e sur le plan infrastructurel, si vous faites un tour à Bonabiroville, vous allez dans les villages, Bonamikano, Bonambate, Bonassama, Sodiko, et dans les quartiers Mambanda, Grand Hangar, quartier bilingue, vous verrez que là-bas, le dynamisme de l'exécutif communal qui était là, avec l'ensemble des grands conseils au niveau du conseil de la communauté urbaine, a permis quand même d'avoir des projets de pavétisation. Pratiquement toutes les routes secondaires dans ces villages que je viens de citer, dans ces quartiers, sont pavétisées. 17 km de route à hauteur de 13 milliards. Voilà notre bilan sur le plan infrastructurel. Quand vous allez dans les quartiers école communale, à la décharge école communale à Mambanda, quand vous allez à Mingwele et quand vous allez à Grand Tour, aujourd'hui c'est des quartiers qui étaient complètement dans l'obscurité. Aujourd'hui il y a de l'éclairage public dans ces quartiers. Vous pouvez faire un tour là-bas. C'est ça notre bilan sur le plan de l'éclairage. Quand vous allez aujourd'hui, on avait un seul district de santé. Aujourd'hui, quand vous allez dans les quartiers Mambanda, vous allez en combat, vous allez à Bonenale, vous trouverez qu'on a aidé à construire des centres médicaux d'arrondissement, ce qu'on appelle des CMA, et à l'équipement. C'est ça notre bilan au niveau sanitaire. Et maintenant, quand vous regardez le plan social, vous regardez ce qu'on a fait au niveau des jeunes, d'occupation en vacances jeunes. C'est environ 3000 jeunes à hauteur de 60 millions de francs CFA. C'est ça notre bilan. Quand vous regardez le paquet minimum, c'est-à-dire que les dotations aux écoles primaires en termes de crèches, de tables, bancs, etc. sur les 5 ans, c'est environ 70 millions. C'est ça les acquis sur lesquels nous appuyons pour redemander dans un nouvel élan. Cet élan que le nouveau code de la décentralisation nous permet de nous octroyer une autonomie financière, administrative. Nous leur demandons de renouveler ce contrat, tout simplement. Nous connaissons leurs problèmes. Nous connaissons qu'à Bonendale, ils ont des problèmes d'adduction d'eau. Ils ont des problèmes de route parce que nous ne sommes pas arrivés jusque là-bas. Nous connaissons qu'au Grand Hangar, ils ont un certain nombre de problèmes. Certaines routes secondaires ne sont pas pavétisées. Nous connaissons qu'à Sodiko, c'est également le même problème. C'est pour ça que nous leur demandons de nous refaire confiance parce qu'ils deviendront nos priorités pendant cette mandature. Voilà si je puis ils dire. Ils n'ont pas été par le passé alors? Pardon? Ils n'ont pas été par le passé? Non. Ils deviendront, vous l'avez dit. Ils sont notre priorité. Je le dis bien, Sodiko, Grand Hangar, ils deviendront justement, parce que les autres ont été la priorité. Vous comprenez un peu? Non, les moyens nous permettent. Vous voulez rebondir sur la philosophie et la mise en œuvre politique? Effectivement, je dois rebondir parce que manifestement, mon camarade, mon panéliste d'en face n'a pas conscience de la nécessité philosophique. Si je vous pique dans le cadre de vos idées à réciter, allez-y doucement. Allez-y. C'est son toute parole. La galanterie m'impose de vous écouter quand vous parlez. Alors, allons-y. Laissez-moi signifier au panéliste d'en face que la philosophie est à la base toute dynamique politique, il faut bien le comprendre. Si vous n'avez cette lacune-là, si vous ne pouvez vous en plaindre qu'à vous-même. Je précise déjà que le NMP, dans le cadre de sa philosophie politique, est très précis. Nous parlons de ce que nous appelons le néo-humanisme municipal. C'est-à-dire qu'il est très important qu'on crée un nouvel humanisme municipal. Okay. Pourquoi on le dit? Parce qu'en fait, il est évident de façon concrète que lorsqu'on regarde les périls concrets qui pèsent sur le monde, on se rend compte que le vieil humanisme occidental est aujourd'hui dépassé. Il faut donc, n'est-ce pas, le dépasser dans ce que nous appelons le nouvel humanisme panafricaniste, qui est un humanisme qui tend à réconcilier l'homme avec les traditions morales et communautés d'Afrique. Cela s'impose de plus en plus parce que lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, les valeurs occidentales qui nous sont imposées, qui sont normalement, n'est-ce pas, les conditions sine qua non pour obtenir des prêts de financement de certains niches internationaux, on comprend qu'il y a obligation, n'est-ce pas, de créer les conditions pour en sortir pour un nouvel humanisme municipal. C'est donc ça la philosophie politique, parce qu'il n'y a pas de politique sans philosophie politique. Je voulais vous le rappeler si vous en avez oublié. Je voulais préciser aussi qu'au niveau du VNM, nous avons ce que nous appelons
Dans le cadre de la mairie du 21e siècle, il y a une imposition, il y a une obligation que nous avons à créer les conditions pour ce qu'on appelle l'émergence de l'économie communale. Parce que jusqu'ici, on se rend compte que les communes ont voulu se réduire, n'est-ce pas, à la fiscalité locale. Or, il est très important de créer les conditions, et le nouveau code le permet, pour que les communes soient, n'est-ce pas, des acteurs qui créent les conditions pour développer l'économie à la base. C'est donc ça qu'on appelle l'émergence de l'économie communale. À côté de ça, nous devons créer les conditions pour passer de la mairie administrative que nous voyons actuellement, pour ce qu'on appelle la mairie traquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mairie de Renavant doit baser son action sur la science. C'est-à-dire que la mairie travaille sur la base des données scientifiques précises qui lui permettent de pouvoir, n'est-ce pas, générer les conditions et libérer les forces politiques qui sont locales. En dernier point, nous avons ce qu'on appelle démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est de plus en plus concret que la démocratie plantive que nous vivons est une démocratie qui est concrètement épuisée et dont les populations se reconnaissent par l'intérieur d'elle. Il faut donc créer les conditions pour reconstruire la démocratie, répartir la démocratie direct, notamment dans le cadre des quartiers. Il y a beaucoup d'organisations qui sont en présence, et le maire peut s'organiser pour, n'est-ce pas, utiliser au mieux ses possibilités pour ne pas avoir, après de ces populations, n'est-ce pas, des idées concrètes et pertinentes pour voir comment il veut dynamiser l'action de la commune. C'est donc ce que nous appelons le maire du 21e siècle, qui est une philosophie politique, qui est un programme de gouvernement municipal, mais surtout qui est porté par une philosophie qui s'appuie sur ce que nous appelons le nouvel humanisme municipal, sans quoi rien n'est objectivement possible. Parce qu'il faut un nouvel homme qui habitera la mairie du 21e siècle. Les hommes du 20e siècle sont objectivement caduques et dépassés. Il faut dans ce nouvel homme-là pour incarner ces nouvelles valeurs, pour incarner les enjeux qui sont objectivement, précisément, très discrets. Et c'est dans votre couche. All right, Christian, as a parliamentary aspirant, you spoke moments ago about your party which protects and liberates the energy of Cameroonians. I would like to focus on the protection part which you say is involved in making laws. What should the population of Vuré East expect from you when you get to parliament in terms of lawmaking? What are the sectors which you hope to invest? Effectivement, avant, n'est-ce pas, de répondre à votre question, je voudrais, Monsieur Raymond Biry l'a signifié ici sur ce plateau, que j'étais son camarade de classe. Je voudrais également qu'il se rappelle qu'il est mon cadet académique de trois années, c'est ça? Deux années. Voilà, deux années au moins. Donc, également lui qui est de la région de l'extrême nord, classe, voilà. Il connaît bel et bien que ce que je proposais comme réforme, en réalité, c'est une proposition qui essaie de répondre à un besoin réel dans un pays multicommunautaire et multiculturel comme le nôtre. Monsieur Biry, vous êtes à Douala, vous connaissez bel et bien l'identité de Douala. L'identité d'Ivory, c'est l'eau. C'est pas le coq, comme vous à l'extrême nord. Et il faut accepter ça. C'est-à-dire les questions aussi de repositionner tous les citoyens de la République dans l'environnement dans lequel, dans l'écosystème national où ils se trouvent, mais davantage ancrés dans l'identité, dans la spécificité. C'est de ça que nous parlons. Effectivement, il n'est pas question ici de partitionner les Camerounais. Non, il est question de réconcilier, je l'ai bien dit, de réconcilier les Camerounais avec leur identité. D'accord, maintenant, en ce qui concerne naturellement le rôle du parlementaire, ça ensemble. L'article 26 de la Constitution est clair. Le député, n'est-ce pas, a un double rôle, au-delà, n'est-ce pas, du rôle de plaidoyer, c'est-à-dire le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Effectivement, nous avons des propositions de loi dans ce sens. Nous avons proposé quatre propositions de loi, c'est-à-dire les réformes du système éducatif, les réformes de l'économie, la troisième réforme, naturellement, c'est le changement du statut spécial avec l'instauration du régionalisme identitaire ou du fédéralisme communautaire, comme nous l'avons appelé. Et enfin, nous avons, n'est-ce pas, proposé comme... Parce que je tiens aussi à rappeler qu'on fait la confusion sur ce plateau. Moi, je parle là en tant que membre, n'est-ce pas, allant au Parlement et non comme représentant dans une commune quelconque. Parce que c'est la commune qui crée de l'emploi. Écoutez, mais ce n'est pas le député qui crée l'emploi. Mais nous, on met en place le cadre légal. Et c'est dans ce sens que nous avons proposé ces lois. Effectivement, nous avons également proposé la mécanique de contrôle de l'action gouvernementale. Nous sommes allés au-delà. Et nous avons dit, pour répondre à mon cadet académique, Biry, qui est en face de moi, pour dire, effectivement, nos propositions ne sont que la déclinaison micro, n'est-ce pas, du projet de société nationale que nous portons. C'est-à-dire cette vision que nous avons du Cameroun. Et on l'a dit, cette vision s'appelle pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Nous avons essayé de définir les priorités, on l'a dit ici. C'est vrai que on ne saurait, n'est-ce pas, dire qu'un député ne créerait pas. Parce que, allons même au-delà de ça, la première réforme
disais-je ici, c'est la réforme, n'est-ce pas, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce qu'on ne sait pas, c'est que au Parlement, c'est le projet de loi, c'est-à-dire les projets d'émanation gouvernementale, qui prime naturellement sur les propositions de loi. Ça, c'est le premier handicap pour toute, n'est-ce pas, activité parlementaire. Et vous savez bel et bien que le Parlement est la plus grande institution de la République. Et aller au Parlement, c'est pas de la blague. C'est pour cela que nous, on croit encore, nous croyons encore à la République, disais-je, et on a besoin, n'est-ce pas, des républicains qui iront, n'est-ce pas, défendre les populations, notamment, ça c'est un rôle des partis politiques, c'est-à-dire le rôle numéro 4, la fonction de porte-parole, et c'est celle-là que nous allons représenter. Nous allons représenter près de 2 millions d'âmes, voire même plus si on fait le plus de 2,5, c'est-à-dire les arrondissements de Douala 5 et Douala 3e. Aujourd'hui, si on fait un nouveau recensement, on serait quasiment à plus de 3 millions d'âmes. Donc c'est de ça qu'il est question. On a décliné, chaque jour nous déclinons notre offre. Et je tiens également à rappeler que le député représente la nation. La nation. Voilà. C'est pourquoi je ne veux pas me limiter, n'est-ce pas, à dire nous avons voulu est-ce qu'on va faire. Non. Une fois élu, n'est-ce pas, nous allons voter des lois qui changeront, qui impacteront le devenir, n'est-ce pas, de nos collectivités territoriales décentralisées. C'est pour ça que moi j'ai dit tout à l'heure ici que l'une des premières lois à réaménager, c'est le statut général des collectivités territoriales et décentralisées qu'on a mis en place, notamment avec le statut spécial des régions anglophones. Il est question pour nous de tuer la problématique de l'anglophonie identitaire. C'est de mettre en place cette loi, comme je l'ai dit. Peut-être, je vais citer un exemple à mon cher Biri. Il y a deux personnalités de la République. Vous prenez le premier ministre, type docteur Dangote, qui est, lui, anglophone. Vous prenez le premier président de la Cour suprême, Samuel Mokobesone, qui, en réalité, le premier ministre est le chef supérieur, n'est-ce pas, du président de la Cour suprême. Pourtant, ils sont de la même famille. Si vous voyez un peu, on nous a dit l'autre est anglophone et l'autre est francophone. Or, avec cette réforme que nous proposons, cette réforme qui va réunifier, n'est-ce pas, les Camerounais avaient leur histoire, parce que les deux sont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont Sawa. Si vous vous souvenez, n'est-ce pas, lors du grand dialogue d'Ibida, le doyen des doyens, Tifu Mokété, rappelant, n'est-ce pas, au Premier ministre en disant « Ah oui, Sawa est son hôte » au Premier ministre, pour dire qu'il ne se reconnaissait pas comme anglophone ou francophone, mais il se reconnaissait comme étant Sawa. C'est donc l'une des réformes majeures dont notre République a besoin. Et une fois qu'on aura placé le cadre, naturellement, les réformes économiques pourront aller de pair. Également, une des réformes qui me tient à cœur, c'est la réforme du nationalisme économique. Le nationalisme économique, naturellement, qui n'est pas le protectionnisme économique. Nous l'avons dit, si vous voyez par exemple les sociétés publiques, la loi sur les sociétés publiques de 2017 et autres, en ses articles 17 et autres, pour 14, 15, 16, pose un problème. On ne peut pas mettre une société comme Camtel, c'est-à-dire en charge de la téléphonie mobile nationale, en compétition au même statut que Orange, MTN et autres. Ça ne se fait nulle part au Cameroun. Il faut protéger les entreprises nationales, d'où l'une des dimensions de la protection, afin que Camtel en fait puisse libérer naturellement son génie. Et c'est, il me semble que ce sont plus des Camerounais qui sont là-bas. Vous voyez pourquoi on a parlé Merci. De protection, c'est-à-dire la protection elle est globale. Donc voilà, globalement, autant de lois, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas dit que les choses ne sont pas faites, mais aujourd'hui, Merci. On a besoin des gens qui peuvent aller au Parlement et dire non, trop, c'est trop. Right, Raymond, what is the CPDM list promising to do in Douala 4 if voted on the 9th of February 2020? Merci, votre question me permet de rebondir un peu, c'est-à-dire que de commencer par la fin de mon camarade Christian Congo. Seulement, il faut dire que je suis sur le plan socioculturel. Voilà un peu, nous ne sommes pas dans un Cameroun divisé, quoi. Il faut dire ça comme ça. Nous nous sommes réconciliés, RDPC. Nous sommes dans un Cameroun réconcilié. Et particulièrement pour le cas de ma commune, nous sommes dans un Cameroun réconcilié. C'est pour ça que sur le plan socioculturel, nous voulons consolider cette réconciliation-là. Nous voulons consolider cette unité en faisant quoi sur le plan socioculturel? Vous mettez ça mais devant. Oh, s'il vous plaît. En faisant quoi, par exemple, sur le plan socioculturel? C'est-à-dire, notre projet phare sur le plan social est celui-ci. Nous voulons faire de la commune d'avancement de la 4e un brassage culturel. C'est-à-dire, vous êtes sans ignorer que cette commune est l'une des plus cosmopolites de la région du littoral. Toutes les communautés du Cameroun y foisonnent, même si certains ont pour ambition de les ségréguer et de les renvoyer
dans les localités d'origine. Alors qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous avons créé une foire culturelle sur une semaine annuelle où le Sawa Belebele, le Bamoun avec l'Ongoun, le Tupuri avec le Kok, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils vont se mettre ensemble afin de partager chacun leur culture dans un esprit de vivre ensemble. C'est ce que nous voulons faire, la promotion des cultures pour se réapproprier nos cultures. Écoutez, la société va en déclin. Effectivement, cette loi évitera l'assimilation des communautés. Laissez-moi, vous avez parlé. Vous en fait, vous voyez, donc vous avez fait tout un exposé, je vous ai laissé parler. Vous avez fait tout un exposé. J'ai failli même prendre des notes là. Laissez-moi aller au bout de ma pensée, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois annuelle, d'une semaine où nous mettrons tous ces acteurs culturels ensemble pour consolider, parce que nous sommes dans un Cameroun réconcilié et nous voulons consolider cette réconciliation-là. Nous sommes dans un Cameroun qui, celui qui est, ou dans une commune qui est à Bonassama, même si son arrière-grand-père et je ne sais pas moi, tout le monde chez moi dans l'extrême nord, qu'il se sente chez lui. C'est ça notre ambition, toute cette foi culturelle-là. Et pour aller plus loin, nous avons pour ambition d'aller dans les écoles primaires du public. Comprenez un peu, en partenariat avec l'État, bien sûr, dans la promotion des langues maternelles. Instaurer les langues maternelles au niveau de ces écoles-là, c'est-à-dire le bonjour, le vestimentaire traditionnel, les mets traditionnels, ces valeurs culturelles pour que ces enfants se les réapproprient. Et pour ne pas perdre cela en cours de route, au bout de 5-10 ans, c'est dans cette foi culturelle que ces enfants viendront montrer. Pensez-vous avoir dit quelque chose de différent de ce que j'ai dit? Merci de retrouver en fait. I have this question la, for la, non, attendez, attendez. La différence entre ce que vous avez dit et ce que moi je dis, c'est que moi je le dis à l'électeur. Vous le dites dans un amphi. Vous comprenez un peu? Non, il faut qu'on vous le dise. Vous le dites dans un amphi. Vous le dites aux camarades comme moi. Moi je le dis aux électeurs. Vous voyez la différence? Mes électeurs sont à voler est et mes électeurs sont dans la phase, dans la partie du Cameroun la plus socialisée. Justement, vous êtes venu nous montrer que vous êtes mon élève académique, vous avez appris vos leçons. Moi, je parle aux électeurs, je parle pas aux professeurs de fac. Mes électeurs me comprennent, effectivement, je tiens à vous rappeler que... Écoutez, c'est moi qui ai la parole. En une seconde. Non, c'est moi qui ai la parole. Je tiens à te rappeler que... Dans la camaraderie, je reprendrai mon temps sur vous. La circonscription électorale de Voury Est est la circonscription la plus socialisée du Cameroun. C'est là où on a l'université de Douala, tous les universités de Douala, tous les étapes, quasiment les 80% des établissements secondaires et comment dirais-je supérieurs de la ville de Douala. Donc je parle à un environnement qui me comprend. Je suis à leur niveau qui comprennent effectivement ce que je suis en train de dire. Vraiment, vous reprenez. Ils me sanctionneront le moment venu si c'est vous. Heureusement que vous n'êtes pas. C'est pas loin, c'est au soir du 9. Au moins que vous terminez parce qu'après. Alors, comme je disais sur le plan social, puisque nous sommes en train de parler de société, plan socioculturel, c'est ce que je disais, les mesures phares. C'est cette foi culturelle dans le brassage culturel qui va nous permettre de renforcer le vivre ensemble. Et cette langue locale, bien sûr, maintenant, pour revenir à lui, pour garder la spécificité du territoire où nous sommes, la langue maternelle Sawa à tous les enfants qui sont là, parce que nous sommes chez les Sawa. Comprenez un peu. C'est ça le projet que nous avons. C'est l'originalisme identité. Voilà. Ghislaine. Yes. You have spoken so much about the mayor of the 21st century. I would like you to break it down, you know, so that your potential voters of Douala 1 and 2 can better understand. You know, these are people who want answers to their daily challenges. Now, how can the mayor of 21st century help the community which is in need of water, electricity, good roads, and so on? Of course. You allow me to continue, French. Sure. Yes, of course. Comme je disais tantôt, pour déjà arriver au programme du gouvernement municipal, nous avons d'abord commencé par faire une étude intéressante sur le fonctionnement des mairies au Cameroun. Et on s'est rendu compte que les mairies au Cameroun étaient taraudées par deux lois majeures, à savoir la première loi, c'est la loi qui précise que les mairies au Cameroun, malheureusement, sont jusqu'à présent ce qu'on appelle les appendices d'administration. Ça veut dire en fait qu'elles fonctionnent comme des oxydes d'administration. Et la seconde loi, c'est qu'on s'est rendu compte dans le cadre, n'est-ce pas, de l'analyse, n'est-ce pas, des comptes administratifs, que toutes les mairies camerounaises, pour la plupart, ne réussissent pas à investir 10% de leur budget dans la réactivation concrète pour la population. Ça veut dire que quand le budget est voté, moins de 10% sont consacrés précisément aux problèmes concrets de la population. C'est une tendance qui est, pour ma foi, néfaste, qu'il faut inverser. Et comment donc on inverse la tendance? On inverse la tendance, enfin, ce que nous appelons le programme communal de gouvernance. C'est quoi ce programme de gouvernance?
Vous allez constater que dans le cadre des mairies, au Cameroun, la plupart, il n'y a pas d'indicateur fiable qui permet de faire la programmation stratégique. Dans le cadre de la gouvernance, nous allons nous organiser pour commencer déjà par faire, créer les conditions pour avoir un tableau de bord précis, afin d'avoir tous les indicateurs disponibles, afin que la mairie puisse s'organiser pour ne pas se penser elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a fait ça, on va lancer ce qu'on appelle les grands projets structurants communaux. Je répète, les grands projets structurants communaux. Ça veut dire les projets, n'est-ce pas, qui créent les conditions pour dégager des postes, pour créer les conditions pour libérer les forces politiques locales. Et lorsqu'on le fait mécaniquement, il y aura ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des champions communaux qui vont émerger. Ça veut dire que les entreprises, n'est-ce pas, dont la mairie aura donné le potentiel, pourront émerger pour, n'est-ce pas, tutoyer, n'est-ce pas, les entreprises, la société nationale et même les entreprises internationales. C'est ça qu'on appelle la mairie, c'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, le programme communal de gouvernance. Pour le cas spécifique des questions d'addition d'eau et de route, évidemment que la mairie du 21e siècle peut pas être insensible aux opérations comme celle-là, elle s'organisera évidemment dans le cadre de la même dynamique de champions communaux pour créer les conditions afin que l'entreprise locale puisse, n'est-ce pas, s'organiser pour résoudre de façon concrète ces problèmes-là. Ça veut dire, par exemple, pour le cadre de la question, par exemple, de la question de l'extension, il est évident, et le NMP a déjà, par le passé, organisé une dynamique qui a permis que l'eau soit rendue disponible dans les quartiers communautaires dans l'aéroport. C'est une camarade du NMP qui s'est organisée pour mettre la pression afin que la Camoata vienne installer une bonne frontière. C'est vrai, on dit que les préoccupations d'eau, d'électricité et de route sont les préoccupations qui sont au cœur de l'action de la mairie du 21e siècle. Pour me résumer, je veux seulement préciser en fait que cette mairie, c'est une mairie qui a vocation à réconcilier, n'est-ce pas, le maire avec le citoyen. Ça veut dire que la mairie crée le lien entre le maire depuis son bureau et le citoyen là où il se trouve. C'est ça qu'on appelle une mairie de proximité, une mairie de collaboration, une mairie de coopération entre le maire et le citoyen. Je voulais préciser avant de terminer, c'est pas que nous ne disons pas que le maire n'est pas un dieu. Ça suppose que le maire ne connaît pas mieux la population, ce qui est bon pour elle. Ça fait donc que le maire va être à l'écoute permanente des populations. Je voulais terminer en précisant que dans le cadre de la deuxième, le président Barakane, qui pour les citoyens pour la deuxième, a fait récemment une conférence de presse où il a précisé ce qu'il fera dans les six premiers mois. Vous me permettez de lire ces points qui sont au nombre de 9. Ça va être long. Ça va être long. 9 points. Peut-être vous allez donner juste les titres. Allez-y, lisez. Juste ces titres. Il est le seul qui l'a fait. Et ce sera dans les six premiers mois. Ça tiendra également de votre mot de fin. Je la semaine. On va pas vous couper. Prenez votre temps, buvez un peu. Non. Je précise donc, comme l'a dit le président Barakane, a précisé clairement qu'une fois élu, de la deuxième, il a dit les 9 tâches prioritaires qu'il fera seront les suivantes. Il a dit, je convoquerai une conférence de travail en vue de la conclusion d'un pacte de performance entre la mairie et le personnel communal. Ça, c'est dans les 6 premiers mois de stage de son élection en tant que maire. Le deuxième point, il dit, j'initierai une tournée municipale dans tous les quartiers de l'arrondissement de la deuxième, ce qui a rarement été fait. Le troisième point, il dit, je lancerai la semaine budgétaire en vue d'une meilleure coordination entre le district communal et le conseil municipal. En quatrième point, il dit, je lancerai le concours des 100 projets les plus innovants dans la commune de la deuxième, dans les domaines économiques, social, culturel, sportif. L'objectif étant qu'au terme de mon mandat, ces projets aient été réalisés et rendus pérennes. Claire, ça veut dire 100 projets qui seront rendus pérennes et rendus matérialisés à la deuxième. Le cinquième point, il dit, je lancerai à titre expérimental le programme « Le soir, j'étudie ». Le but de ce programme est d'offrir les conditions appropriées pour que les enfants puissent étudier les leçons le soir en toute sérénité. Malheureusement, c'est encore de plus en plus que nos enfants. Vous développez fait, déjà. Je ne développe pas. Le point d'après, précise ceci. Je sélectionnerai dans tous les quartiers de la deuxième une ou deux familles des plus pauvres et les offrirai dans le cadre d'un programme de perspectives transversales concrètes. C'est-à-dire pour finir. On rétablit la sociale. Son septième point. Le huitième point. Je supprimerai bien évidemment l'OTVP là où le paiement, la taxe communale, parce qu'on se rend compte de plus en plus que l'exécutif sortant est en train des endroits qui ne sont pas légalement aptes à le TVP, ils imposent ça aux contribuables. Le dernier point, donc, au bout du cinquième mois, on lancera donc le programme comme la gouvernance qui va donc déboucher sur le grand processus communaux et enfin les champions communaux qui vont à la bataille. Ça, c'est à moins de 12 mois. Vous dites ? C'est à moins de 12 mois. 6 mois, les 6 premiers mois. Merci, c'est précis. Vraiment, votre mot de la fin. Peut-être une adresse à vos électeurs. Ah, bien sûr, moi je parle aux électeurs, je ne suis pas en train de parler aux philosophes ou je ne sais pas moi dans la vie. Je vais revenir vers mes électeurs pour le mot de la fin. C'est que en 2013, vous nous avez fait confiance. Vous nous avez accordé votre suffrage pour le développement d'une commune qui se veut responsable, d'une commune qui se veut forte, d'une commune qui offre du logement, qui offre de l'eau, qui offre de l'énergie à ses populations. Nous revenons vers vous, sollicitons votre suffrage, votez les listes RDPC. C'est voter pour cette commune-là qui avance sûrement. Voter les listes du RDPC, c'est voter pour une commune qui se construit dans la sérénité, merci, étant réconciliée. Je vous remercie. Christian Diop Congo. Population de Vory-Est, électeurs des arrondissements de Douala 3e et 5e, nous vous demandons ici aujourd'hui même de porter à l'Assemblée nationale la liste
du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, ayant à sa tête Mlle Molu Hassana Nouran, madame, et une mosaïque, n'est-ce pas, que nous constituons. Nous vous demandons de porter nos listes, tantôt les élections législatives que municipales, parce que nous avons proposé un projet novateur, un projet qui va refonder, sinon qui va réconcilier les Camerounais envers eux-mêmes. Au moment où la République tente à se désagréger, il est temps d'envoyer des nouveaux visages, de nouvelles personnes. Nous n'avons pas encore géré, mais donnez-nous le bénéfice du doute, quitte à vous démontrer de quoi la jeunesse camerounaise est capable, la jeunesse dynamique, la jeunesse, comment dirais-je, la jeunesse républicaine que nous constituons aujourd'hui, qui doit, n'est-ce pas, changer les paradigmes de gouvernance. Merci. Qui jusqu'ici, depuis 37 années, nous subissons, n'est-ce pas, la dictature du RDPC. Voilà. Envoyez-nous au Parlement et vous ne serez pas déçus. Thank you very much, Christian. Thank you very much, Ghislaine. C'est moi qui vous remercie. And to you, Raymond. Oh, merci, c'est un plaisir. Yeah, it was a pleasure having you guys here with us. And that does it for today's edition of the program. We urge you to take the rendezvous same time tomorrow for a fresh edition of the program. The countdown to the February 9 elections continues right here on STV. Good night. Good night, Peter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la jeunesse se révèle de plus en plus dans cette élection. Hein. Regarde les visages qu'on reçoit ici. À votre suite, Peter, je voulais également dire... Ça a été un plaisir. Hein. Je voulais également dire, bien sûr, pour plus l'émission, dire merci à René Bonono Bakota qui était en direct tout à l'heure au téléphone depuis le BAM et Inoubou. C'est dans la région du centre où il est d'ailleurs... tête de liste pour les législatives dans ce département. Dire merci au maire sortant et non moins candidat au conseil municipal de Douala 3e, Théophile Kouamnan, qui a occupé la première partie de cette émission. Mais surtout, vous dire merci à vous qui êtes restés regarder jusqu'à tard ce soir cette émission. Demain, 19h30, pour un autre débrief de l'actualité politique autour de la campagne électorale. Bonsoir. Bonsoir.